t'es fait voler ton linge, toi aussi? Bienvenue dans le club! Qu'est-ce qui se passe dans cette école-là? Il me semble que c'est clair. Je suis menstruée. Salut! J'ai fait mes devoirs. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Un soufflé au fromage. Wesh! Est-ce qu'on va avoir le droit de venir y goûter ce midi? Bon, en principe, oui, là, mais t'es pas pour gaspiller un beau lunch? Il est à moi, lunch, puis ça s'appelle pas touche. Et j'en reviens pas. Après un an, il y a encore des téléspectatrices de Télégamine qui nous redemandent de jouer des tours à la caméra. Après ce qui s'est passé la dernière fois, moi, à ta place, je penserais même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de ma faute si ça a foiré. Il y a une petite erreur de communication entre les complices. Dans ces trucs-là, ça peut être très, très drôle, là, mais pour que ça réussisse, faut que ça soit très bien planifié. Mon père est devenu expert en farce et attrape, maintenant. Bon, ben moi, j'y vais. Salut! Manolo, Manolo! Qu'est-ce qu'il a mangé ce matin? Planifie ou pas, ça, tu l'as ou tu l'as pas. Marianne, elle, elle l'a pas. Bonne journée. J'ai vraiment cru. Oh, son lunch. Non, attends, attends, Nani. Je pense qu'il y aura quelque chose de mieux à faire avec ça. Youhou, Nani, je suis là. Puis je suis avec Céline. Elle a accepté de nous aider. Oh non, mais il était vraiment beau, là, avant que la porte claque. C'est ton soufflé, ça? Oups! Bon, tant pis. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hey, je suis vraiment content que tu nous aides, hein. On sera pas trop de trois. Ah, ben, c'est surtout que j'aime mieux être celle qui joue les tours que celle qui se fait prendre. Ouais. Attends, ça, il arrive à prendre tout le monde à son poste. OK, là, faut qu'on ait l'air le plus naturel possible. OK. Qui veut goûter à mon dessoufflé au fromage? Moi! Ah, vous m'en donnerez des nouvelles? Salut, mon gars! J'imagine que c'est ça que tu viens chercher? Non! Manolo a oublié son lunch! Voyons donc! Il ferait pas trois fois la même erreur la même semaine! Bon, OK, ça va, les filles! Et vous savez pourquoi? Mon professeur de pâtisserie se marie samedi prochain. Et devinez à qui a confié la confection de son gâteau de noces? Toi? Oui! Wow! Félicitations! Et c'est tout un honneur! Mais c'est surtout ta chance de lui montrer ce que tu sais faire. Ben, peut-être, là, mais je sais pas trop comment faire. Je veux dire, moi, tout ce que je sais faire, c'est des petits gâteaux. Mais justement, là, il faut que t'en fasses un gros. Ah oui, c'est ça, il faut que tu fasses un énorme gâteau! Ah oui, un gigantesque gâteau! Oui, c'est génial, c'est Je sais pas ce qu'il a mis dans son soufflé, mais ça a l'air de leur faire pas mal d'effet, en tout cas. Un énorme gâteau! Avec une fille qui en sort, peut-être? Comment c'est une fille? Mmh. Évidemment, faut toujours que ce soit des filles. Pourquoi pas un gars? Tu dis rien, toi? Quoi, t'es d'accord avec ça que ce soit toujours des filles qui sortent des gâteaux? Non, moi, j'ai pas d'opinion. Ouais, pourquoi pas un gars? Bon, tu vois, même ton gars est d'accord avec nous. Mon professeur de pâtisserie adore la guitare électrique. Imaginez que ce soit un gars qui joue la marche nuptiale en sortant du gâteau. Ça serait écœurant! Non. Pourquoi pas? T'étais super fière que papa retourne aux études, puis là, à la première occasion, tu refuses de l'aider. C'est pas comme si je te demandais de faire ça devant tes copains. Là. Personne va te connaître. De toute façon, là, Manolo, il joue du rock. Non, ce que ça te prend, là, c'est un vrai musicien. Je suis un vrai musicien. C'est vrai que la marche nuptiale... Ah, y a rien là, pas. J'ai trois grosses journées pour répéter. Puis en plus, un vrai musicien, comme a dit elle, il faudrait que tu le payes. Tu marques un point, toi, là. Mm-hmm. Marché conclu. Tu m'as convaincu. Hein? Qui vient de convaincre l'autre, là?
Oh, en tout cas, c'est toi qui sais, hein? J'ai confiance en lui, moi. Étape numéro 1, réussi! You, Kim, la Terre appelle la Lune. Oh, excuse-moi. C'est comme si j'avais dormi sur la corde à linge cette nuit. Au moins, fais-moi croire que c'est parce que t'as répété notre sketch d'anglais, hein? Ça va me rassurer. Désolée, c'est pas ça. C'est bizarre, mais j'ai rien fait pour être fatiguée comme ça. Essaye donc en anglais, voir maintenant. Gary, est-ce que ça te dérange si on remet notre répétition à ce soir? Mais t'es pas juste fatiguée, hein? T'es aussi une journée en retard des Maritimes. C'est pas ce soir notre présentation, hein? C'est cet après-midi. De toute façon, pourri comme j'étais la dernière fois, c'est pas une heure de plus qui va changer quelque chose. Ouais. Mais tu serais peut-être pas aussi pourri si on avait répété quand c'était le temps. Mmh. Voyons. Qu'est-ce qui m'arrive là, moi? Quand même que tu jouerais les zombies, là, ça ferait ni disparaître le prof, ni désintégrer notre nom sur la liste de ceux qui passent cet après-midi. Il se passe vraiment quelque chose, là. Hey, y a-tu quelqu'un au numéro que j'ai composé? Hey, c'est pas parce que je parle pas tout le temps comme toi que j'ai nécessairement mis mon cerveau à off. À voir si je l'aurais fait tout seul, le travail d'anglais. Non, mais excuse-moi d'exister. Où est-ce que tu vas? Est-ce que j'ai au moins le droit d'aller aux toilettes? Hey! Oh, excuse-moi! Ton frère, là. Bon, qu'est-ce qu'il fait encore, lui? Harry Bob, j'ai une super mission à te confier. Tu es bien occupé ce midi? Tu tombes bien, j'ai plus rien au programme. Serviette sanitaire par hasard? Oh! Non, pas avec moi. Mais j'en ai une dans ma case, OK? Je vais te la chercher tout de suite, bouge pas! OK, merci. Pourquoi faut que ça m'arrive aujourd'hui, cette affaire-là? Marianne! Marianne! Déjà? C'est ce qu'on avait prévu! Oh, ouais. T'as pas eu trop de problèmes pour entrer ici? À fréquence, Manolo oublie ses lunchs, ses souliers de course, ses cahiers. Ça fait longtemps que j'ai plus besoin de donner d'explications. As-tu la fameuse chemise à froufrou? Oh, oui, oui! Tu vas voir! Attention! Tadam! Oh, pense pas ça! Vite, là! Gary Bob est parti chercher Manolo. Ah, mais là, j'aurai jamais le temps! Ben oui! Oh, c'est tellement horrible! Pauvre Manolo! Tu diras ça au cousin d'Annabelle, il est obligé de s'habiller de même pour faire le garçon d'honneur au mariage de son beau-frère. Oh, vite, va t'installer. Okay. Chut, Attends, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un mariage samedi prochain, moi, pas toi. Tiens, va essayer ça, là. Faut que je sache si ça te fait, sinon, ben, je vais être obligé d'en louer un. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est mon tuxedo. Tu me l'as pas dit que je devais m'habiller de même? Mais là, je pensais que t'avais compris, c'est un mariage, là. T'es pas pour arriver là en jeans pas en t-shirt. Ouais, mais entre un t-shirt pis ça, quand même. Mais quoi, tu personnifies le bonhomme sur le gâteau. Pis le bonhomme sur le gâteau, ben, il porte une chemise à froufrou, hein? C'est un costume. Ça pêche-toi, là, je suis pressé. Ça peut pas attendre à ce soir. Non, ce soir, je rencontre le menuisier qui fait ma forme. Un gâteau dans lequel on rentre, ben, c'est pas fait en chocolat. Vite, je veux pas être venu ici pour rien. Tu veux quand même pas que je me charge ici? Ben non, va l'essayer aux toilettes, là. Puis viens me dire si ça te fait, moi je bouge pas d'ici, hein? Dépêche-toi, je suis pressé, j'ai des courses à faire. Vas-y! Une chance que c'est pas lui qui se marie. J'ose pas imaginer à quel point il serait stressé. À penser sur la peau des fesses, celle-là, mais étape 2, réussie! Ouais! Étape 3 maintenant. Yeah!
You! Est-ce que t'es là? Est-ce que Manolo est bien entre aux toilettes? Oui, comme prévu. En passant, t'es pas mal cool d'avoir accepté de faire partie de mes complices. Ça me fait plaisir de jouer un tour, hein, surtout quand il est bon. Nous, t'as bien compris ce que t'as à faire, hein? Oh oui, tu peux te fier à moi. J'en suis pas à mon premier coup, je suis un vrai pro. Est-ce que Manolo avait l'air de douter de quelque chose? Ben, avec l'expérience que j'ai, là, je vous aurais vu venir à 100 000 à l'heure, mais lui, il est sauté à deux pieds joints dans le piège. Ouais, comme ça, tu aurais vu venir, toi. Ben oui, hey, ma mère, ma soeur, puis moi, ça fait à longueur de journée des tours. Ouais, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah, tu veux dire qu'on pourrait pas t'attraper? Un tour pour télégamine? Non, non, essaye même pas. Ah. Bon, ben, je serais mieux d'y aller. Ah oh, oui, fais-le, fais-le, fais-le. Oh, réussi! Bon, c'est bien con! C'est quoi cette affaire-là? Manolo, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Tu t'es fait voler ton linge, toi aussi? Bienvenue dans le club! Qu'est-ce qui se passe dans cette école-là? Au voleur! Au voleur! Moi, c'est ça qu'ils ont laissé ses bas à lui? Ouais. Je me ferais peut-être moins regarder si j'étais en sous-vêtements. Peut-être pas non plus. Chloé, finalement. Oh, elle voulait que je lui ponde un article pour le journal étudiant. Pas pour celui de ce mois-ci, il sort dans deux jours. Ouais, celui de ce mois-ci. Le gars qui devait lui en écrire un s'est désisté, là, était mal prise. Ah, ouais? Puis, sur quoi tu vas l'écrire? Oh, je sais vraiment pas. Oh, voyons donc, Sina. Te connaissant, là, je suis certaine que t'as déjà une petite idée. Non, je te jure, je suis en panne d'inspiration totale. Sina, voudrais-tu regarder dans les autres toilettes s'il y a du papier, s'il vous plaît? Il n'y en a plus ici. Ah, OK. Désolée, il n'y en a pas ici non plus. Ah, le voilà ton sujet, hein? Pourquoi n'as-tu jamais de papier quand on en a besoin? Ouais, je vais y penser. Mais en attendant, j'ai peut-être des mouchoirs dans mon sac. OK. Tiens, il y en a ici. Merci. De rien. Mais voyons, on peut quand même pas s'attacher à un rouleau de papier de toilette à ce point-là. Est-ce que c'est Kim? Oui. Ça va pas, Kim? Non. Je pense que je sais ce qu'elle a. Reste avec elle, je reviens. Kim, est-ce que t'as un problème? Ben, pas vraiment. C'est juste que... je le suis. T'es quoi? Il me semble que c'est clair. Je suis menstruée. Qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Il va dire ça à d'autres, hein? T'as les mots mauvais coups étampés dans le front. Moi, ça, non. Est-ce que ça a rapport avec ce que t'as fait à Kim? Qu'est-ce que j'ai fait à Kim? À toi de me le dire. Qu'est-ce que c'est que je sais pas? Ben, sais-tu, en passant, elle est où, Kim? Elle est aux toilettes. Encore? Ah oui, mais c'est vrai que vous, les filles, quand vous passez devant le miroir... Hey! Gary, elle est pas en train de se maquiller, là! Elle s'est enfermée aux toilettes puis elle veut plus sortir! Non. Non. Oh non, non, non. Viens pas faire ton innocent en plus, là, Gary! Qu'est-ce que tu as dit pour la mettre dans cet état-là? Gary, je te connais. Quand tu fais cette petite face-là, là, c'est que t'as fait quelque chose de pas correct. Non, 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 non. Ça, c'est un toast.
Ok, bon. J'ai fait croire à deux gars qui ont le kick sur Kim, qui est aussi amoureuse d'eux. Pourquoi t'as fait ça? Ben, pour rire, hein. Le plus drôle, c'est que les deux gars sont allés voir Kim en même temps. Sauf qu'ils sont arrivés face à face. Hein. Puis, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils se sont sautés dessus, puis ça finit en bataille. Hein. C'est là que c'est devenu un peu moins drôle, parce que Kim a essayé de les séparer, puis elle s'est ramassée avec un œil au bras noir. Non, je te crois pas. Pourquoi tu penses qu'elle se cache? Non, mais t'es donc bien épais d'avoir fait ça! Oh, toi, là! Toi, je te parle pas jusqu'à ce que t'aies réparé tes dégâts. Espèce de moron! Eh, hey, bravo, Marianne! C'est un très bon tour! ben, j'espère que tu m'as pas filmé de profil, hein, parce que j'aime pas trop mon nez. Ah, je te l'avais dit que je te verrais venir, Marianne, hein? Meilleure chance la prochaine fois! Marianne? C'était ta première fois? Ouais, il était temps. Mais non, voyons, il n'y a pas d'âge pour ça. Voyons, pourquoi elle reste là, elle? En tout cas, merci pour la serviette. Ça me fait plaisir. C'est un peu comme si j'aidais la petite sœur que j'ai pas, hein? D'ailleurs, un petit conseil, là. Garde-en toujours une dans ton sac. Parce qu'on sait jamais quand ça va nous arriver, hein? Surtout les premiers mois. Ouais, je sais. J'en avais une dans ma case, mais je l'ai donnée à une amie pour la dépanner. Puis t'as oublié de la remplacer? Ouais, malheureusement. Bon, ben, merci encore. Attends, Kim. Toi, là, est-ce que tu trouverais ça intéressant de lire un article sur les menstruations? En tout cas, j'aimerais mieux lire un article que d'en parler avec elle. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, parce que je pense que je viens enfin de trouver le sujet pour mon article dans le journal étudiant. Pas vrai? Ok, ok! Lisez comment Kim s'est fait prendre à l'école par... ses premières règles! Ses premières règles! Lisez tous les détails de la première menstruation de Kim Bellavance! Ok, ok! Lisez comment Kim s'est fait prendre à l'école par... ses premières règles! Non. Faut pas que je la laisse faire ça. Écoute, Sylvina, tout ce que j'avais besoin, c'était d'une serviette. Mais avoir su que tu voudrais publier ça dans le journal de l'école, j'aurais demandé à quelqu'un d'autre. Attends, Kim, là, je pense que t'as pas bien compris. J'en viens pas que tu m'aides juste pour pouvoir dire à tout le monde que je suis menstruée. Pour qui elle me prend? Il est pas question que je parle de toi, voyons. Puis même si tu me nommes pas, je vois pas ce qu'il y a de drôle ou d'intéressant à raconter qu'une fille était mal prise dans les toilettes. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah ouais? Ben oui! Mon idée, là, c'est de faire un article scientifique sur les menstruations. Mmh. T'sais, on a beau être informé, il reste que c'est quelque chose de très fascinant, biologiquement parlant. Si tu le dis. Hey, oublie pas de dire que ça prend un diplôme universitaire pour se retrouver avec toutes les sortes de serviettes. Les mini minces, les mini super absorbantes, les maxi avec elles. Il y a de quoi devenir folle. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça va rajouter un petit peu d'humour dans mon article. Mmh. J'ai hâte de lire ça. Bon. Je pense que tu t'es trompé de porte. Bon, mais salut! Bye! Manolo! Qu'est-ce que tu fais à l'école en tuxedo pis dans la toilette des filles en plus? C'est la dernière place où Marianne va penser venir me chercher. Ah! Pis pourquoi tu te caches d'elle? Parce qu'elle me filme! Viens pas me faire croire que t'étais pas au courant. Non! Est-ce que t'es sûre de ça? Hey! Essaye pas, Sylvina! Y'a pas question que j'aille sourire devant sa caméra cachée. Ah, oh, Manolo, t'es ben mauvais joueur! Si tu veux que je te pardonne d'avoir été complice de ça, trouve mes vêtements. Je t'attends ici. Hey, minute! Jure-moi sur la tête de ton chum que tu diras pas à Marianne où je suis. Je le jure. Dommage. Hey, Gary Bob, salut! Excuse-moi de t'avoir fait attendre. T'étais passé où pendant tout ce temps-là? Oh, j'ai eu deux, trois petites choses à régler. Entre autres... J'ai croisé le prof d'anglais, puis il est d'accord pour qu'on présente notre oral demain. Sans blague, il a dit oui. Puis je te promets de bûcher sur notre sketch toute la soirée s'il faut. Ben, je suis content. Comme ça, tout va bien, toi? Ça peut pas aller mieux. Donc, c'était pas vrai que Kim voulait plus sortir des toilettes? Il me semblait aussi que Shandy me niaisait. Ben, si on allait se chercher un jus, hein, je te le peigne. Excellente idée, merci.
Tiens, 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 il s'est enfin décidé à s'excuser. Non, vaut mieux tard que jamais. De quoi tu parles? Ah, ouais, c'est vrai, c'est mieux de rien dire, hein. C'est vrai. Quoique, moi, si je suis à ta place, les gars, je saurais pas. Hey, t'étais pas supposée avoir un œil au beurre noir, toi? De quoi elle parle? Laisse-la faire. Oh, lui, là! Kim? Je m'excuse si ça a été long, hein, c'est que j'ai dû m'occuper d'une autre affaire urgente, puis je t'ai complètement oubliée. Kim? Est-ce que t'es toujours là? Oh, en tout cas, chapeau pour ta patience, hein? Tiens. OK. Est-ce que tout va bien? Bon, ben, tant mieux. Si jamais il y a quelque chose d'autre, là, tu me le dis, OK? Je m'excuse encore. Bon. Ben, dans ce cas-là, je vais y aller, moi. OK, ben, bye! En tout cas, Manolo, merci beaucoup d'avoir oublié ton lunch. Mm. Ça nous a vraiment aidé. J'irai pas jusqu'à dire que ça m'a fait plaisir, mais de rien. Regarde ta face, Manolo. Ça va être le télégamine le plus populaire, j'en suis sûre. Tu t'es vraiment douté de rien? Mais quand j'y repense, c'était bizarre toute la journée, mais sur le coup, j'ai rien vu. Elle m'a fait sortir d'un gâteau, c'est tellement gros. Oh, j'ai tellement peur que tu réalises qu'en plus, là, Denis voulait faire un gâteau qui se mange pas. J'ai pas pensé à ça une minute. Ça, c'est parce que Marianne l'avait préparé au quart de tour, son petit numéro. Il faut dire que papa a été particulièrement habile aussi. Ouais. Hey, mais ça te tenterait pas de faire d'impro, papa? Le truc, là, c'est de pas laisser le temps à ta victime de réfléchir. Oh, ça, t'étais tellement stressant, papa, là. Il y avait pas de place ni pour réfléchir, ni pour s'obstiner avec toi. Puis, elle l'a ou elle l'a pas, Marianne? Hein? Allô? Ah! Oui! Oh, regarde, si c'est juste après que Gary t'a volé tes vêtements, moi, je veux voir ça. Tu sauras jamais ce qui m'est arrivé. Il va à merveille, ce tuxedo-là. Je suis content, ça fait une chose de régler. Je me suis volé mon linge pendant que j'étais aux toilettes. En dessous de la porte, en plus, faut le faire. Je suis vraiment, vraiment content. Mais va te habiller, là, si tu veux pas faire rire de toi. Il faut que j'aille, j'ai des courses à faire. Papa, laisse-moi pas comme ça, je veux pas. Aurais tu vu mon frère? Oui, non, en fait, là, j'ai pas le temps, là. Non, là, où est-ce qu'il est passé, lui? Oh, mais mon seul regret, là, c'est que j'ai pas pu filmer quand la victime s'est fait annoncer qu'elle s'est fait prendre. Mmh. C'est pas pour rien que je me suis poussée. Où est-ce que t'étais passée? Je t'ai cherchée partout. Moi, je le sais. C'est où? Ah! Oh, allez, dis-moi, là, je veux savoir. Fais voler ton linge, toi aussi? Bienvenue dans le club! Qu'est-ce qui se passe dans cette école-là? Il me semble que c'est clair. Je suis menstruée.
J'ai fait mes devoirs. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Un soufflé au fromage. Wesh! Est-ce qu'on va avoir le droit de venir y goûter ce midi? Bon, en principe, oui, là, mais t'es pas pour gaspiller un beau lunch? Il est à moi, lunch, puis ça s'appelle pas touche. Et j'en reviens pas. Après un an, il y a encore des téléspectatrices de Télégamine qui nous redemandent de jouer des tours à la caméra. Après ce qui s'est passé la dernière fois, moi, à ta place, je penserais même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de ma faute si ça a foiré. Il y a une petite erreur de communication entre les complices. Ces trucs-là, ça peut être très, très drôle, mais pour que ça réussisse, faut que ça soit très bien planifié. Mon père est devenu expert en farce et attrape, maintenant. Bon, ben moi, j'y vais. Salut! Voyons-nous, Manolo! Est-ce qu'il a mangé ce matin? Planifie ou pas, ça, tu l'as ou tu l'as pas. Marianne, elle, elle l'a pas. Bonne journée. Enfin! J'ai vraiment cru. Oh, son lunch! Ben... Non, attends, attends, Denis. Je pense qu'il y aura quelque chose de mieux à faire avec ça. Youhou, Denis, je suis là! Puis je suis avec Céline, elle a accepté de nous aider! Oh, non, mais il était vraiment beau, là, avant que... Ben, avant que la porte claque. C'est ton soufflé, ça? Oups! Bon, tant pis. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh! Hey, je suis vraiment content que tu nous aides, hein. On sera pas trop de trois. Ah, ben, c'est surtout que j'aime mieux être celle qui joue les tours que celle qui se fait prendre. Attends, il arrive. Oh. Tout le monde à son poste. OK, là, faut qu'on ait l'air le plus naturel possible. OK. Qui veut goûter à mon dessoufflé au fromage? Moi! Ah, vous m'en donnerez des nouvelles? Salut, mon gars! J'imagine que c'est ça que tu viens chercher? Non, Manolo a oublié son lunch! Voyons donc! Il ferait pas trois fois la même erreur la même semaine! Bon, OK, ça va, les filles. Et vous savez pourquoi? Mon professeur de pâtisserie se marie samedi prochain. Et devinez à qui a confié la confection de son gâteau de noces? Toi? Oui! Wow! Félicitations! C'est tout un honneur! Mais c'est surtout ta chance de lui montrer ce que tu sais faire. Ben, peut-être, là, mais je sais pas trop comment faire. Je veux dire, moi, tout ce que je sais faire, c'est des petits gâteaux. Mais justement, là, il faut que t'en fasses un gros... Ah oui, c'est ça, il faut que tu fasses un énorme gâteau! Ah oui, un gigantesque gâteau! Oui, c'est génial, c'est Je sais pas ce qu'il est mis dans son soufflé, mais ça a l'air de leur faire pas mal d'effet, en tout cas. Un énorme gâteau! Avec une fille qui en sort, peut-être? Comment c'est une fille? Évidemment, faut toujours que ce soit des filles. Pourquoi pas un gars? Tu dis rien, toi? Quoi, t'es d'accord avec ça que ce soit toujours des filles qui sortent des gâteaux? Moi, j'ai pas d'opinion. Ouais, pourquoi pas un gars? Bon, tu vois, même ton gars est d'accord avec nous. Mon professeur de pâtisserie adore la guitare électrique. Imaginez que ce soit un gars qui joue la marche nuptiale en sortant du gâteau. Ça serait écœurant! Non, pourquoi pas? T'étais super fière que papa retourne aux études, puis là, à la première occasion, tu refuses de l'aider. C'est pas comme si je te demandais de faire ça devant tes copains. Personne va te connaître. De toute façon, là, Manolo, il joue du rock. Non, ce que ça te prend, là, c'est un vrai musicien. Je suis un vrai musicien. C'est vrai que la marche nuptiale... Ah, y'a rien là, pas. J'ai trois grosses journées pour répéter. Puis en plus, un vrai musicien, comme a dit elle, là, faudrait que tu le payes. Tu marques un point, toi, là, là. Marché conclu! Tu m'as convaincu! Hein? Qui vient de convaincre l'autre, là? Oh, en tout cas, c'est toi qui sais, hein? J'ai confiance en lui, moi. Étape numéro un. Réussi!
You, Kim, la terre appelle la lune. Oh, excuse-moi. C'est comme si j'avais dormi sa corde à linge cette nuit. Au moins, fais-moi croire que c'est parce que t'as répété notre sketch d'anglais, hein? Ça va me rassurer. Désolée, c'est pas ça. C'est bizarre, mais j'ai rien fait pour être fatiguée comme ça. Essaye donc en anglais, voir maintenant. Gary, est-ce que ça te dérange si on remet notre répétition à ce soir? Mais t'es pas juste fatiguée, hein? T'es aussi une journée en retard des maritimes. C'est pas ce soir notre présentation, hein? C'est cet après-midi. De toute façon, pourrie comme j'étais la dernière fois, c'est pas une heure de plus qui va changer quelque chose. Ouais. Mais tu serais peut-être pas aussi pourrie si on avait répété quand c'était le temps. Voyons. Qu'est-ce qui m'arrive là, moi? Quand même que tu jouerais les zombies, là, ça ferait ni disparaître le prof, ni désintégrer notre nom sur la liste de ceux qui passent cet après-midi. Il se passe vraiment quelque chose, là. Hey, y a-tu quelqu'un au numéro que j'ai composé? Hey, c'est pas parce que je parle pas tout le temps comme toi que j'ai nécessairement mis mon cerveau à off. À voir si je l'aurais fait tout seul, le travail d'anglais. Non, mais excuse-moi d'exister. Où est-ce que tu vas? Est-ce que j'ai au moins le droit d'aller aux toilettes? Hey! Oh, excuse-moi! Ton frère, là. Bon, qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Gary Bob, j'ai une super mission à te confier. Tu es bien occupé ce midi? Tu tombes bien, j'ai plus rien au programme.